Très bon dia avec vous. Amen. Amen. La paix, bon Dieu avec nous, chrétiens. Amen. Amen. Bénis nos bon Dieu, ma soeur, pour le privilège qu'il bon nous. Le fait que nous sommes en présence. Le fait qu'il protège nous durant toute semaine. Non? Et nous sommes capables de dîner, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Lèvons à personne de nous, pas ta plat. Et nous disons bon Dieu, un grand merci parce que moi-même, j'ai une espoir pour manquer de victime mercredi. Pendant le coucher, la Kali, vers 11h10 soir, il recevait une balle dans le figuier. Pendant ce temps, il bat dans rien. Donc, si bon Dieu bat là, les conseils étaient dans mort. C'est pour démontrer que, excusez-moi, lorsque bon Dieu a protégé ou quel que soit. Quelle que soit la circonstance, il est là pour le protéger. Et moi, bénis non, bon Dieu, pour ça, parce que sans la présence de Dieu, comme dans le psaume 34, verset 20, dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel en délivre toujours. Et nous bénis non, bon Dieu, pour ça. Parce qu'on a vu une petite lecture dans la parole, bon Dieu, c'est dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 1er à verset 12. Matthieu chapitre 15. Excusez-moi, je vais vous dire rapidement. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent près de Jérusalem auprès de Jésus et dirent : pourquoi les disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, Jésus répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister est une offrande à Dieu. N'est-ce tenu d'honorer son père ou sa mère? Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais mon cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et prenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et dit, sais-tu que les pharisiens ont scandalisé la parole? Ils ont entendu, il répondit, et toute plante qui n'a pas de plante, mon Père céleste sera déraciné. Que bon Dieu bénisse pour cette portion de crédit pour l'édification de l'homme chacun de nous. Amen. Amen. Merci okay. Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu puissant, Dieu fort. Nous bénissons à soi pour grâce et bonté au Seigneur. Nous remercions pour présence parmi nous. Nous remercions de ce que tu prends soin de la vie chacun de nous. Et même du monde qui ne peut pas servir vous. Pour prendre soin de la vie, parce que vous dites toute grâce, bon Dieu, c'est pour grand merci.
Lorsque vous voyez la pluie, vous voyez la pluie dans le jardin bon, dans le jardin méchant et dans le jardin monde qui est juste là-dedans. Vous ne pouvez pas faire exception de personne parce que vous êtes Dieu d'amour. Vous seulement gagnez un jour pour vous tout rendre compte. Mais quand il s'agit de bénédiction, vous voyez ni pour le monde qui servit ou le monde qui ne peut pas servir. Parce que nous demandons grâce, papa. Et nous demandons protection. Et nous connaissons n'était pas présent sous Seigneur. Nous pas tapnan moment ça. Nous mando béni mon capitaine de nous. Nous mando servir avec moi-même comme instrument et pour capable canaliser. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni nous. Amen. Et la Bible parle nous de rencontre. Et les pharisiens et les scribes qui étaient posé Jésus question et pharisiens ça avec scribes ça ont allé jusqu'à Jérusalem où ils ont posé Jésus question au sujet des traditions comme ça et les disciples ont violé la tradition des anciens qui étaient dit comme ça avant que yo manger yo doit laver mains. Jésus, c'était non sorte de piège. Il avait besoin tant de Jésus pour qu'il puisse voir qui ça Jésus t'a fait, ou même qui ça t'a dit, ou qui réponse qu'il t'a baillé. Mais on connaît Jésus est le maître des maîtres. Jésus, t'es tant de réponse par eux tout pour te baillé. Nous connaissons tradition son bagage que c'est des choses que peut-être on goûte. Un pays ou un groupe de peuples, un groupe de monde choisi pour être capable d'honorer ou bien capable de parler ou bien capable d'observer. La caille, nous, en Haïti, nous avons une pile tradition. Il y a des bagailles qui sont parfois autant de monde a dit. C'est des bagailles comme si, ou même sous ta observé tradition, ça y est, ou pas même point là, oui. En pile bagaille qui parlait de tradition, mais tout ça, c'est tradition, a gagné des vérités dans tout ça. Je ne dis pas qu'il y a une tradition qui n'est pas normale, mais en pile des fois, on a parlé de tradition, peut-être c'est pour le cas spéculer, pour le cas faire passer, pour le cas faire connaître qu'il connaît, mais pour autant, il n'a pas gagné des vérités dans la tradition. Ça. Et tradition, tout, c'est une sorte de coutume. Par exemple, dans la pile tradition, c'est les gens d'yo. Et les gens qui ont employé, c'est juste pour être capable de faire idée passer. La Bible dit nous comme ça que les scribes et les pharisiens allaient à Jérusalem auprès de Jésus pour être capable de poser Jésus question comment faire. Et disciples yo yo pas lavé main yo avant yo manger et yo violé tradition ancien yo et pharisiens ça yo ou bien peuple ça yo yo était attaché à tradition mais pas attaché à la parole de Dieu yo connaît tradition ça toute tradition ça veut dire mais quand il s'agit pour yo mettez la parole de Dieu en évidence, puis on mettait la parole de Dieu en application, ils ont passé outre de ça. Jésus-Christ te répond, yo, il dit yo même, et Jésus-Christ te dit yo comme ça. Il répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Il m'a des pharisiens avec scribio, pour que ça nous-mêmes tout. Nous transgresser la tradition ou bien la parole bon Dieu. Dans le cas, qui est la parole de bon Dieu de Dieu? Il dit lorsque yon petit joue maman ou bien déshonore maman, il déshonore papa ou bien il fait papa des choses qui sont vraiment malhonnêtes, si mon ça te doit punir de mort. Ça, c'est selon la loi. Si le monde n'a pas le droit pour te déshonorer parents
parce que parents c'est un monde pour honorer en pile. Eh bien, les pharisiens ont dit que même si tout le monde ça t'a déshonoré maman, il t'a fait toute qualité bagay qui pas bon envers maman li et papa li, il suffit que yo bay offrande pour service bon Dieu, tout le monde ça péché li pardonné. Jésus-Christ te dit non. C'est la loi qui dit comme ça que si un monde est déshonoré papa, si un monde déshonoré maman, il fait tout bail ça. Si un monde ça, petit ça, il est puni de mort. Mais nous-mêmes, nous disons comme ça que depuis mon au fond de ça veut dire que péché ça effacé. Yo même non objectif par eux c'est pour te poser des questions, c'est des questions de piège liés comme d'où Jésus-Christ qui est le maître et te compte quel type de questions que moun sa ou t'appel poser et réponse li t'es à bout. Et la Bible dit nous consacrer pharisien ça yo te senti yo te vexé en pile lorsque Jésus-Christ te ba yo réponse ça. Parce que yo pas attendre une telle réponse à Jésus-Christ qui t'a baillot. Mais il dit comme ça, mais vous dites celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu assister à une offrande à Dieu et ce n'est tenu d'honorer son père ou sa mère. Jésus-Christ dit comme ça à vous-même. Lorsque moun nan fè yon bagay, depuis moun nan bay ofwande, péché le pardonné. Et péché sa yo yo couvri. Et de même que jodi a ou capable rencontrer à l'église, m'pa di toute l'église non, mais dans pile l'église, moun nan met fè sa l vle. Moun nan gen doit aller côté l vle, fè proposition l vle. Mais depuis bay ofwande nan, c'est la veut dire que c'est ofwande nan qui gen valeur. Ou yo même, mais c'est pas le cœur moun nan. C'est pas la vie moun nan. C'est pas la façon que moun nan servi mon Dieu qui gen valeur pour yo même, mais c'est au fond là. En pile des fois, nous voyons que moun yo bay, ça m'a dit, et richesse plus importante que la parole de Dieu, que la vie éternelle, que ça ou même y a servi, yo bay ça ou plus importance. Et la Bible dit nous consacrer ou pas capable. Bagay sa yo, richesse plus importance que bon Dieu dans le ciel là. Parce que il dit que sa richesse sa yo, la ou y gen pou pou yo, yo gen pou yo gen yo pou yo poui, yo gen pou yo te vie richesse sa yo, mais parole bon Dieu pour apprêter demeure. Jésus Christ te dit yo comme ça dans verset 6 là. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ça, il te dit, nous-mêmes, nous annulez la parole de Dieu. Sa parole de Dieu a dit, ce n'est pas ça nous fait. Mais nous annulez au profit des traditions par nous. Cela veut dire que c'est ça qui n'en pense nous, c'est ça que nous, qui est bon, c'est lui nous fait. Mais pour autant, ce n'est pas ça la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit comme ça, mais comment on doit agir, mais comment on doit faire, mais. Yo même, yo quitté ça de côté et puis yo capable faire tradition yo en exécution. Cela veut dire que depuis mon bay au fond li, depuis mon son moun ki zélé dans l'église là ou du moins c'est mon qui remè fè travail, remè ceci cela, même si mon te péché, même si mon te fait tout ça pas bon, li pa gen problème. Mais ça c'est pour les hommes. Parce que la Bible dit dans Somme 7, il dit l'Éternel est un juste juge. C'est l'Éternel qui sont de les cœurs et les reins. Cela veut dire que moi-même avec vous, nous devons faire tout ça que et peut-être pasteur ou bien monde qui sous tête nous est capable de nous faire. Mais nous-mêmes, en nous-mêmes, nous connaissons que depuis nous pas honorer bon Dieu à tout que nous, avec toute force nous, cela veut dire que nous avons fait tout bagage ça en vain. Pharisiens, eux-mêmes, c'est comme ça, ils ont dit, et les disciples n'ont pas lavé les mains parce que
violer la tradition des anciens. Mais Jésus-Christ te dit comme ça, non. Et si moun sa yo ka fè des bagages malhonnêtes, ka dérespecter parents yo, ka fè des choses abominables, mais nous disons comme ça, depuis yo ba offrande yo, ça veut dire que péché yo a, bagay yo fè a, yo ce soir. C'est pour démontrer que l'homme là lui-même il gagne deux vitesses. Ça moun yo ta dire en français deux poids deux mesures. Ça veut dire que moun ke yo gagne hein, ça veut dire moun ke y a supporté a depuis que li fait tout ça yo ta remè hein, il pas gen problème. Mais on l'autre que yo pas supporté, on l'autre que yo pas qui pas fanatique yo ou bien qui pas yo pas remè depuis yo li fait affaire un bagay yo scandalisé. Mais les pharisiens ont scandalisé les disciples d'avoir que les disciples n'ont pas lavé les mains parce que la tradition dit que yo doit laver les mains avant de manger. Jésus-Christ a dit au conseil encore. Votre tradition, il dit au conseil dans verset 7 là, il dit hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Prophète Esaïe, dit ça, il a honoré mon Dieu avec bouche, avec lèvres, mais cœur loin de mon Dieu. Je dis à nous capables de compter, nous capables de voir ça. Peut-être nous pas gagnons, nous pas qu'à dire que ça met tel monde, mais c'est ceci. Mais nous capables de voir tout le monde. C'est bagaille qui concerne seulement. Il tient à ce que vous parlez de lui-même. Il a honoré mon Dieu, mais avec bouche, mais qu'il est loin de Dieu. Et je garantis. Ou mettre cap honoré bon Dieu depuis 31 depuis 1er janvier jusqu'au 31 décembre si kèw loin de bon Dieu tout ça va faire il pas signifie rien parce que bon Dieu lui-même ça demandé il demande kèw il vit besoin ouais que comment kèw comment y est. Rappelez-vous bien que la Bible dit comme ça que sans la sanctification personne ne verra le ciel. Moi-même avec vous, si que n'a parlé de mon Dieu et que ça n'a fait yo action que n'a fait yo loin de la parole de Dieu, c'est en vain n'a fait yo. C'est en vain n'a fait yo parce que bon Dieu pas prend plaisir là-dedans parce que nous pas là, nous pas dans exercice pour nous faire ça qui est bien pour bon Dieu. Jésus-Christ parlait avec les pharisiens et parlait avec peuple à tout. Parce que le peuple là, c'est pharisien, il y a suivi. C'est ça, pharisien, il dit, c'est lui, il fait. C'est de même qu'il y a un monde qui est dans l'église. C'est ça, pasteur a dit. C'est ça, en tête, il dit, c'est lui, il fait. Mais des fois, il y a mené, non, c'est des côtés qui, loin de la parole de Dieu, nous, il y a plus accentué sur les choses matérielles. Nous, il y a plus accentué sur les bagages qu'il y a possédé. Comme si les bagailles qui sont dans le monde n'ont pas passé. Comme si les bagailles qui sont dans le monde après demain éternel. Comme si les gens mourir, les bagailles qui possèdent, ils sont pour aller avec eux. Non. La Bible dit comme ça que toutes les bagailles sont pour passer. Parce qu'il dit le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que les bagailles qu'on a dit, bagay que n'a fait yo si nous pas faire dans la volonté de Dieu c'est en vain n'a honoré bon Dieu. Les disciples le fait que y a marché avec Jésus parce que Jésus-Christ c'est ndigam doit douce c'est maître yo c'est Jésus-Christ qui a enseigné yo c'est Jésus-Christ qui connaît qui ça pour enseigner yo mais pharisiens yo même il a veillé tout petit bagage. Ou qu'on est dans l'église ou bien un côté quelconque, on a veillé quelque soit petit bagage, petite chose la moindre qui pas de valeur, des choses sans importance.
l'a surveillé ça juste pour la rapporter. Pour la dire, mais ça est tel fait, mais ça se fait un tel fait, mais comment se fait un tel réagit, mais comme ça se fait un tel réagit. Cela veut dire que moun sa yo, yo plus attaché yo à des choses matérielles, à des choses que yo même yo wè avec yeux yo, mais yo détourné yo ou bien yo retiré yo de les choses spirituelles, parce que qui pour un chrétien, c'est les choses spirituelles qui plus intéressent dans le monde là. Quel que soit soit ta carte possédée, quel que soit soit ta fait, mais si que ou servir bon Dieu ou pas espérer la vie éternelle ou pas espérer le ciel, cela veut dire que c'est la vie messiate. Parisien ont posé Jésus question, pourquoi les disciples n'ont pas lavé les mains avant de prendre leur repas? C'est parce que dans la tradition la caillou, c'est peut-être dans la tradition, il y a pas même dit c'est la loi, mais on dit la tradition, parce que la tradition sont bagaille légendaire lié, sont bagaille coutume lié. Tradition va vle dire la vérité. Tradition va vle dire son bagaille que ou doit observer. C'est la tradition. Et je dis un peu partout, tout un peu partout à travers le monde, tout monde, tout pays, il y a tradition. Il y a des traditions, c'est comme ça pour faire. Mais qui n'a pas rien pour eux avec la parole de Dieu, qui n'a pas rien pour eux avec la Bible, qui n'a pas rien pour eux avec la vie éternelle. Mais comme c'est la tradition, comme c'est comme ça, l'aime lever, c'est comme ça, me dit, ouais, papa me défait, maman me défait, frère me défait, ça me défait, moi-même, je fais tout. Mais grand pile tradition dans ça yo surtout la caille nous mon dans ça sous fait tel bagaille ou va mourir ou bien ceci petit toi mourir mentir ça c'est pas une réalité dans yo. Ça veut dire que bagaille ça c'est tradition, c'est légendaire yo yé coutume yo yé, mais yo pas la vérité. Donc les disciples et les pharisiens et les scribes posaient Jésus question pour faire savoir que comment faire disciple pas laver mais yo. Mais yo même, yo oublié tout ça que bon Dieu te dit pour yo faire, yo pas faire. Yo oublié tout ça que bon Dieu te dit pour observer, yo pas faire yo. Parce que bon Dieu te dit comme ça que tout le monde n'a pas le droit désobéir parole, tout le monde n'a pas le droit déshonorer papa la maman. Mais yo même, yo dit comme ça, il suffit que moun n'a pas yo offrande. Cela veut dire que moun sa péché le pardonné. Je dis à ce type de problème ça qu'on a vu dans le monde là. On a rencontré un pile problème de ce genre. Lorsque moun là il en position ou bien ceci, mais il connaît que toute sa lidia il faut ou même ou respecter pendant ce temps lui-même, il pas faire yo. Il pas respecter yo, c'est lui qui a violé yo, mais il voulait que ou même ou fait. C'est comme ça les pharisiens t'es sorti pour y aller juste à Jérusalem pour y poser Jésus question au sujet de tradition. Et Jésus-Christ te répond, ou annuler tradition, ou annuler parole de Dieu au profit de votre tradition. Sa parole de Dieu a dit, ou retirer mes traditions, c'est vous-même ou voulez pour y exécuter. Assurez à moi-même avec vous. Des fois, nous avons dit des bagailles, peut-être qui pas rien pour jouer avec la vérité. Mais le fait que nous content de ça depuis dans temps, depuis un peu temps qu'on a répété ça, nous répétons tout. Nous disons, mais si on t'a posé nos questions, qui sont sérieux, nous pas capables de répondre. Si on t'a posé nos questions, qui explication que nous capables de bailler de ça, nous pas qu'à répondre. Il suffit parce que ce sont des traditions. Comme je dis, tradition pas une vérité. Ce sont des paroles légendaires. Ce sont des coutumes, des traditions que des pays, des mondes, des groupes acceptés. Il n'y a pas gagné de la vérité dans eux. C'est la tradition. Il y a un peuple là
Jésus-Christ dit au consacré, il a annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vraiment, avec vous, nous devons reconnaître que tradition, ça ne va pas mener nous nulle part. Faut nous camper, rester dans le pied de bon Dieu parce que c'est la même qui a la vie. Parce que nous ne pouvons pas jouer, quel que soit le jour que tu vas faire, quel que soit le jour que tu vas aller, ou tu vas chercher, ou dire, ok, ou dire tel bagaille dans la tradition, garder qui s'allie, rien. Rien du tout. Et Jésus-Christ répondit, Jésus-Christ te dit au consacré, le prophète Esaïe te prophétisait de ça. Il te parlait de ça parce que de ça qu'a privé, parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu, ils ont quitté la parole de Dieu de côté, ils n'ont pas voulu servir mon Dieu, ils ont fait ça. Mais quand ils ont des traditions, ils ont mis au principe, ils ont mis au diabason parce qu'ils ont voulu respecter le principe-là pour les gens capables. Qui est-ce que nous devons obéir? C'est bon Dieu ou bien les hommes? Il y a des gens qui ont plus à vouloir obéir à l'homme que obéir à bon Dieu. Ils ont plus à vouloir me conformer à ça les hommes disent que à ça bon Dieu dit. Bon Dieu dit un bagaille, mais on dit, ah, c'est pas bon Dieu dit ça, mais c'est bien. Mais lorsque c'est les hommes qui disent ça, ils ont tout conformé. Je ne dis pas que nous ne devons pas conformer nous avec la loi qui existe à travers le monde. Non, c'est la loi, nous devons respecter ça. Mais des fois, nous avons fait apparence. Il faut voir ça pour le dire, mais pour faire plaisir à un monde, ou bien pour faire plaisir à un groupe de monde, une personnalité quelconque. Ouais, mon a metté les coupes li mettait en façon étant pour être son petit cellier pour le présenter devant mon. Mais mon a pour présenter comme saint devant l'Éternel des armées. C'est pas un homme. Jésus-Christ te dit pharisiens yo consacré, c'est hypocrite yo yé, les fait ça, c'est mon, c'est hypocrite parce que hypocrite là lui-même la propose, il c'est bon, il sont mon qui bon, ils sont mon qui agréable, mais aux yeux du monde, mais aux yeux de l'Éternel, c'est yon pas lié. Aux yeux bon Dieu, il pas vaut rien. Bon, il pas vaut rien. La Bible dit nous consacrer Jésus-Christ c'est bah l'autre réponse. Il dit c'est pas bagaille cap sautin cap rentrer dans bouche qui cap force qui souye ou qui faut pécher, mais c'est ça cap sautin dans cœur parce que gon parce que qui dit l'homme parle à l'abondance du cœur, ça veut dire que c'est ça cœur désire, c'est l'oudit, ça veut dire que les gens dit ça. C'est ça qui a sorti dans le cœur, parole que vous dit, c'est vous-même. Et pas bagay que vous mettez dans la bouche, non, qui souille, qui rend nous péché. Mais c'est ça que vous dit, comment vous observez, comment vous kembez. Et Jésus-Christ te dit, et les pharisiens vous consacrent, c'est pas bagay, non, que vous mettez dans la bouche. C'est pas ça que vous mangez, non, qui souille. Mais c'est ça que vous dit. Il y a des paroles que vous dit qui parlent la vérité. Il y a des paroles qui disent qui est incompatible avec la parole de Dieu, qui est incompatible avec ça, bon Dieu dit. Et donc, de ça, on a fait, contrairement à la vérité, et c'est bagage ça qui souille. Eh bien, les disciples ont approché de Jésus, ils ont dit à Jésus que est-ce que les pharisiens n'ont pas scandalisé la parole de Dieu? Oui! Parce que ça, bon Dieu dit, c'est pas ça qu'on fait. Ils voulaient que pour rester dans la tradition. C'est comme si tradition, c'est lui-même qui toute la vie. Mais non, la Bible fait nous comprendre que un chrétien doit marcher selon la parole de Dieu, selon la promesse de Dieu, selon ça, bon Dieu dit. C'est pas pour faire plaisir à un homme.
c'est pas pour faire plaisir à une femme ou bien un groupe de personnes quelconque. Mais en tant que chrétien, si le monde là, l'y fait, se doit, il n'y a pas de problème dans ça. Si le monde là, lui-même, pour faire plaisir à un monde, pour l'honorer un monde, pour faire ceci, cela, se doit, lui, parce qu'il n'y a pas contre bon Dieu. Il n'y a pas de la parole de Dieu dans lui-même. Et nous autres chrétiens évangéliques, nous avons la parole de Dieu en nous. Nous gagnons la parole là qui est là, car c'est lui-même qui boussole nous. C'est lui-même qui a une tradition pour nous-mêmes. Mais par une tradition, c'est ça les hommes disent. C'est ça nous, jeunes pays et grands ancêtres nous disent. Coutume nous dit, c'est ça nous observons. Non. L'on fait ça, ou mettez la parole de Dieu de côté. Ou pas observer parole de Dieu. Et Jésus-Christ a observé les pharisiens au sujet de ça. Nous quittons vraie parole là pour tradition, pour ça nous voulons, pour ça nous dit nous. Et Jésus-Christ est le hypocrite. Moi-même avec vous, assoir, en nous mettant nous pas dans position pour nous représenter comme des hypocrites. Des fois, nous connaissons la parole là, nous connaissons sa parole là, dia, mais le fait que nous voulons défendre le monde, ou bien nous voulons faire plaisir à le monde, nous mettons toutes vraies réponses de côté et qui est pour nous capables de faire la parole par nous. Et là, nous faisons ça, nous pas rendre la vie nous accessible à la parole de Dieu. Là, nous faisons ça, c'est un problème d'ajout, ou mettez bon Dieu de côté, mais vous voulez honorer l'homme. Mais tout homme, tout le monde doit honorer dans le monde là, il est Dieu, bon Dieu dans le ciel là. On ne peut pas agir avec comme les pharisiens ont fait. On ne peut pas agir comme ça parce que eux-mêmes, ils ont été plus accentués sous tradition, sous la loi. Mais Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Et maintenant, nous sommes sous la grâce. Pas vrai dire que lorsque nous sommes sous la grâce, gan pile bagay que nous ka fè, gan pile côté nous ka pa balé, gan pile bagay nous ka di non. La grâce pa vle di que pour violer la parole de Dieu. La grâce pa vle di pour mettre la parole de Dieu de côté, mais pour comme si ou c'est de ou même on parler ou bien de on parler de monde. Non. Moi même avec ou assoir. On nous réfléchit pour nous voir dans qui état nous est. Est-ce que si Jésus-Christ a retourné pour le moment présent, il va t'ajouter nous dans la même façon avec les pharisiens et les scribes qui profitaient de la tradition yo, pour yo faire reproche à des gens, tandis que la parole de Dieu qui te boussole yo, pour nous t'a observé, nous mettons ça de côté. Aujourd'hui, pour nous pas jouer à travers l'Église, pour nous plus considérer offrandes. Pour nous considérer tout et privilège, pour nous considérer tout ça qu'elle est capable de gagner, tout acquis qu'elle gagne, mais au profit, au détriment de la parole de Dieu. On nous fait attention en tant que chrétien serviteur de Dieu. Pour que la parole là, nous l'en observer, l'en mettre en pratique, pour ne pas tourner en tradit et pour ne pas tourner des paroles qui n'a parler en l'air, mais ça n'a dit dans la réalité, dans la pratique, nous pas faire. Vraiment avec vous, en nous retenant bien bon Dieu, pour que nous pas, pour que bon Dieu pas considéré comme des hypocrites, mais pour nous des chrétiens authentiques, des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, qui croient dans la parole de Dieu, qui croient dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Pour que nous-mêmes, nous sommes capables de bénéficier de la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous tous. Amen, amen. Amen, 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 amen.
Amen.